Salut, c'est Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. Je te laisse t'installer, mais dépêche-toi parce que ça va commencer. Aujourd'hui, on ne va pas applaudir, on ne va pas miauler, mais on va aboyer. Est-ce que tu es prêt? Wouf, 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 à toi. Encore. Wouf, 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 parce qu'on reçoit. Salut Georges, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens nous raconter ton histoire. Oh, c'est toi, tu es l'invité spécial. Et oui, aujourd'hui, dans une nouvelle journée, une nouvelle histoire, nous recevons Georges. Alors Georges, pourquoi t'es là? Bah parce que je suis un chien qui fait plein de bêtises. Quoi? Des bêtises, Georges? Oui, dès que je suis tout seul, j'en fais des grosses bêtises. Oh, on va découvrir ça tout de suite dans ton histoire. À tout à l'heure, Georges. Le livre du jour, c'est Oh non, Georges. Une histoire de Chris Houghton. 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 Harris sort faire un tour. Tu promets d'être sage, Georges? Demande Harris. Répond Georges, je serai très sage. Donc Harris, regarde, ça doit être son maître. Et Georges, qui promet qu'il va être sage. Bah, nous, on sait qu'il n'est pas sage. J'espère que je serai sage. Où est-ce qu'il va comme ça? J'ai l'impression qu'il se balade dans l'appartement. Georges voit quelque chose dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Oui? Un gâteau. J'ai dit que je serais sage, pense Georges. Mais j'adore les gâteaux. Que va faire Georges? Ça sent la bêtise. Oh non, Georges! Regarde, il a mangé le gâteau. Il en a partout sur lui, mais non. Grosse bêtise, Georges. Qu'a vu Georges cette fois? Non, qu'est-ce qu'il a vu? Qui est-ce que tu vois là? Un chat? C'est le chat. J'ai dit que je serais sage, pense Georges. Mais j'adore jouer avec le chat. Que va faire Georges? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, Georges! Regarde, il bouscule tout dans la maison. Il court après le chat. Oh là 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 là! Qu'a vu Georges cette fois? Un joli parterre de fleurs. Je dis que je serai sage, pense Georges. Mais j'adore faire des trous dans la terre. Regarde, il a vu des tulipes. Mais que va faire Georges? On voit qu'il a une tête pour faire des bêtises. Des bêtises. Oh non, Georges. Regarde, il a tout déterré les fleurs. Il a mis de la terre partout. Tu vois? Ah, si t'entends du bruit, c'est le paysagiste qui est en train de passer la tondeuse dans le village. Harris est de retour. Salut Harris, content de te revoir. Georges, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout massacré. Et comment diable as-tu fait pour manger un gâteau entier?
Comment il a fait ça, Georges? J'ai promis d'être sage, pense Georges. J'ai espéré être sage, mais je ne l'ai pas été. Que va faire Georges maintenant? Oh, il pleure. Oh. Je suis désolé, dit Georges. Pour me faire pardonner, je te donne mon jouet préféré. Georges, attends, on n'a pas fini l'histoire. T'étais triste. Ah, oh, bah oui, mais tu fais que des bêtises. Merci, Georges, dit Harris. Que dirais-tu d'une petite promenade? Tu veux rester avec nous? Oui. Super! Georges adore sortir. Il y a tant de choses à voir et à faire. Oh! Georges a vu un gâteau. Va-t-il le manger? Non. Georges passe son chemin. Bravo, Georges! C'est bien. Ça, c'est au parc. Attends, je montre les images. Tu vois, Georges, il est au parc et il y a des gens qui mangent un gâteau et ça va. Il ne l'a pas mangé. Ouf! Bravo, Georges! Est-ce que tu peux retourner t'installer? Comme ça, je finis l'histoire. Tu veux bien? Oui? Allez, fais pas de bêtises. Reste sage. Georges voit un joli parterre de fleurs. Va-t-il le massacrer? Non! Bravo, Georges! Ah, c'est bien! Tu fais plus de bêtises. Georges n'essaie même pas de poursuivre chat. Même chat est un peu surpris. Tu vois la tête de... les yeux du chat? On voit qu'il est étonné. Quelque chose sent particulièrement bon. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que c'est? Les poubelles! Mais non, mais Georges! C'est une poubelle! Il n'y a rien que Georges aime plus que les poubelles. Les poubelles dans la rue comme ça? Oh là 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 là! Mais que va faire Georges avec la poubelle? Tu sais, toi, qu'est-ce qu'il va faire, Georges? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout mis en l'air, il l'a renversé. Oh là là, le bazar. Bon, allez, on applaudit. Ah non, on n'applaudit pas, on va aboyer. Allez, vous êtes, toi aussi, t'es prêt? On a, aboie, aboie. Ouf, 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 encore. Ouf, 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 ouf. Georges, tu peux revenir. Oh, mais t'en as pas marre de faire des bêtises comme ça en permanence? Non, c'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. Mais Georges, est-ce qu'un jour tu vas être sage? Tu vas être sage? Oui, je vais essayer. Bon, ben Georges et moi, on vous dit au revoir. Bisous les copains, les copines. Salut et à demain.